Charlize, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Un gâteau. Tu peux le dire à voix haute, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Un gâteau avec des pommes puis avec des... yogourts. Yogourts. Yes! Yay! Une tape-tu dans la main? Oh! Aujourd'hui, je suis avec Charlize, ma petite filleule. Charlize, t'as quel âge, toi? 3 ans. T'as 3 ans. C'est très grand, 3 ans, hein? Est-ce que t'es capable de cuisiner? Fait que tu vas pouvoir me montrer comment faire ta recette de gâteau au yogourt et aux pommes. Tu vas pouvoir me montrer comment faire? Parfait. C'est quoi la première étape? Yogourt. Yogourt! OK, parfait. Fait que je vais mettre un yogourt à boire dans le pot. Toi, tu vas mettre autre chose. Qu'est-ce que tu vas mettre après? Le coco. Le coco! OK. Le coco. Vas-y, mets le coco. Smile. OK, je vais t'aider. Yeah! T'es donc bien bonne! On va mettre un autre... Ça suit partout sur la planche. OK, tu vas mettre l'autre ici. Tu vas cogner fort. Ah, encore plus fort. Ouais, OK, parfait. Je l'ai. OK, parfait. Ouais! Ouais! Bravo! T'es donc mes bonnes, ma chérie! On va essuyer nos mains. Je vais aller chercher un petit linge. Tiens, on s'essuie les mains. Pas bon. Pas bon quand c'est collant? OK. Ensuite de ça, ma chachou, qu'est-ce qu'on rajoute dans notre bol? La farine. Ça, c'est pas de la farine, ma cocotte, c'est de la poudre à pâte. La poudre à pâte. Exactement. On va mettre une cuillère à thé de poudre à pâte. Beaucoup de poudre à pâte. Regarde ce qu'on fait après. On passe le doigt comme ça. Puis là, tu vas pouvoir le mettre ici directement. Ouais! Parfait. Après ça, on veut 2/3 de tasse de farine. Donc, tu vas remplir ça 2 fois. OK, ça va faire 1. Ouais. Là, il faudrait que tu reprennes ça parce qu'on va mettre d'autres farines dedans. Voilà. Ouais! Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qui manque? La pomme. La pomme. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la pomme? On va le faire ensemble. On va la couper ensemble. Puis, est-ce que c'est important de bien laver les fruits avant de les manger? Oui, c'est très important. On veut à peu près une pomme. Puis, on peut la couper un peu n'importe comment. Il n'y a vraiment pas de règles. On va faire des petits trucs comme ça. Comme ça. Est-ce que c'est accepté au conseil, ça? Oui. Est-ce que tu veux goûter, voir si c'est bon? Oui. C'est goûter. C'est-tu bon? Ouais. Moyen? Correct. Est correct, la pomme. Elle n'est pas si haute que ça, ta pomme, ma tante. OK, on coupe ça ici. Et on va changer de bord. Puis là, moi, je vais les couper. Puis toi, tu vas pouvoir les ajouter dans le mélange. Charlize, là, on a oublié un ingrédient dans notre gâteau. Est-ce que tu veux me dire c'est quoi? C'est... Regarde, qu'est-ce qui manque, là? Ça. Oh, c'est quoi ça? La poudre à pâte du coconut. C'est du sucre de coco, en fait. Si vous voulez, vous pourrez mettre du sucre, mais nous, pour Chacha, on prend du sucre de coco. On va mettre ça là-dedans. Vas-y. On va mettre 2/3 de tasse. Comme ça. On brasse? Ouais. Un petit peu brassé. Charlie, j'aimerais ça que tu m'expliques, là. Toi, est-ce que tu cuisines souvent? Ouais. Parce que je sais que tu as un petit bébé qui s'appelle Béatrice à la maison. Une poupée qui s'appelle Béatrice. Puis, est-ce que tu fais à manger des fois à Béatrice? Ouais. Puis, qu'est-ce que tu cuisines? Un gâteau. Un gâteau? Un gâteau comme ça? Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, c'est génial. Bon, la prochaine étape, Chacha, normalement, là, ce serait de mettre ça dans un moule à gâteau. Parce que quand on veut faire cuire un gâteau, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un? Un plat de gâteau. Oui, mais après, quand on le met dans le plat à gâteau, après ça, on le met dans un? Un plat. Dans un? Micro-ondes. Un four. Yes! Ouais. OK. Mais là, ce que moi j'ai fait, là, parce que moi je sais que tu voulais pas attendre que ça cuise, fait que j'en ai déjà fait cuire un. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la magie. On va aller chercher le gâteau qui est déjà prêt, puis on va inviter qui à venir goûter avec nous? Tata!
Allô? Comment ça va? Donne ça ici. Yes! Bonjour les amis! Charlize, comment tu trouves ça cuisiner avec Marraine Lou? Bien! C'est bien? Bien, mais peut faire mieux ou c'est bien? Bien! Attends un petit peu, je veux qu'on goûte en même temps, ok? Merci de m'attendre, Charlize, j'adore ça! Qu'est-ce que ça goûte, Charlize? Qu'est-ce que ça goûte? Les pommes! Ah! Pourquoi ça goûte les pommes? On a fait cuisiner la pomme! Ben oui, on a fait cuisiner la pomme! Exactement! Est-ce que tu recommanderais aux gens de manger ça, de faire cette recette-là, toi? Ouais? Mm-hmm. Oh, puis ouais, dis-tu hein? Quoi, Charlize? Ça, le matin, c'est très bon. Ouais. Pour déjeuner. Mais Charlize, je suis très contente que tu sois venue cuisiner avec moi. Moi, je suis vraiment fière de toi, Charlize, t'es très bonne. Est-ce que tu voudrais finir avec une petite phrase en anglais? Vas-y. Buen día! Buen día! Je t'aime. Bravo, Charlize! Bye-bye! Bye-bye! Allô! Tu veux-tu mimer tonton? Vas-y, imite tonton. Tu veux-tu mimer moi? Imite Marraine Lou. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait ta maman quand elle est contente? Qu'est-ce qu'il fait? Quel bruit il fait ton papa quand il est content? C'est comme ça qu'on fait ma recette de gâteau au yogourt et aux pommes. Pour avoir la recette, allez sur le... papaparjour.com. .com. .com.